Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour un autre gameplay sur Ladies and Gentlemen Black Ops 2. Eh oui, cette fois-ci je joue avec la Type 25 au lieu de jouer avec le Vector. Tout simplement parce que dans ces temps-ci, c'est mon arme préférée. On joue sur le nouveau mode de jeu nommé Surenchère. Tout simplement parce que c'est mon préféré aussi. Mon préféré mode de jeu bien sûr. Dans le fond, c'est la même affaire que match à mort par équipe, c'est juste qu'on gagne 150 points par kill au lieu d'en gagner 100. Alors, comme vous voyez, je squatte le milieu. Je tue toutes les personnes qui se présentent. Un petit drop scope, un petit drop shot, je veux dire. Vous voyez, moi je fais toujours ça, des drop shots. C'est vraiment, vraiment très, 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 très utile. Là, je débloque mon aéronef en une minute, je pense. C'est vraiment pas mal. Mais bon, en même temps, on est sur Nuketown, une petite map. Mais bon. Hop. Là, je pensais que j'aurais débloqué mes dogs, mais non. Non, j'aurais peut-être pu faire 50 kills si j'aurais débloqué mes dogs. En tout cas, mon aéronef fait vraiment un petit carnage. Donc, vous voyez, je squatte vraiment le milieu. Là, vous voyez, je suis vraiment proche de débloquer mon aéronef. Je me fais tirer par derrière. Je cours, je cours, je cours. C'est un petit conseil que je vous donne. Toujours courir quand vous faites shooter. Exemple, vous êtes de dos, là. Toujours courir, puis chercher une entrée pour se cacher. Là, j'ai vraiment été chanceux qu'il soit pas bon, lui. En tout cas, ça. Allô, Caillou! Oh, ça c'était une petite dédicace à mon ami. Là, vous voyez, j'en ai tué un. J'ai mon autre set chopper. Et j'ai bientôt mes dogs. Là, vous voyez. Je campe un peu, mais bon. Tu sais, c'était pour être sûr de débloquer mes dogs. Et voilà, j'ai mes dogs. Je lance mes dogs, mon aéronef. Et c'est reparti pour un autre carnage. Alors, je suis vraiment désolé si la qualité est moins belle que d'habitude. Je sais vraiment pas pourquoi elle est genre plus pixelisée. C'est vraiment pas pourquoi. Là, vous voyez, j'ai débloqué mes swarms. Oh là, je vais vraiment camper. Tout simplement pour laisser mes score streaks faire le carnage. Puis en plus, je suis dans le respawn ennemi. Fait que ça sert à rien de foncer puis de se faire tuer, bêtement. Tant que ça, j'aime mieux laisser mes chiens y aller puis se faire tuer que moi. Comme vous voyez, je fais vraiment un bon carnage, disons. Vous voyez, 71, 72, la game est vraiment bientôt finie. 74. Vous allez voir, là, le dernier kill va être long à réaliser. Je vois qu'est-ce que mes coéquipiers faisaient, ou mes dogs, ou mes swarms. Ils pètent à côté, je pense. Là, j'obtiens le dernier kill. Et voilà, vous allez voir le score bientôt. Et le voilà. Donc, un beau 42-1. Qui est pas si mal, parce que le maximum de kills qu'on peut faire, c'est 75. Comme deuxième gameplay, je vous ai mis un jeu d'armes. Vous allez voir, au début, je me fais complètement exploser, là. Mais après, je me rattrape pas pire. Donc, vous me direz si vous aimez ça, que je mette des jeux d'armes, une balle chargée, si vous voudriez que j'en mette, ou autre chose. Ou du stick and stone. Dans le fond, stick and stone, c'est caillou et bâton. Caillou et bâton, mais bon. Parce que, on a... Parce que je joue souvent avec des anglais, puis eux ils disent stick and stone. Fait que je suis pas habitué de dire caillou et bâton. De toute façon, je trouve ça. C'est pas bien beau. Comme nom. En tout cas, là j'ai l'exécuteur. Oh, celle-là il a pas été long. Boum. Petit miss. Deuxième miss. Hop! Tiens-toi. Là c'était vraiment dur parce qu'il y a vraiment pas de portée cette shotgun là.
Donc j'ai essayé de me cacher derrière. Mais sans succès. Hop. Là j'étais avec le MSNC. Hop. Donc vous voyez, je me rattrape. Au début je perdais d'aplomb, mais là je me rattrape. Hop. Là vous allez voir, je vais vraiment galérer avec la chicom. Parce que tu sais, elle est pas bien précise à longue portée. Hop, là je vais mourir. Ouais, c'est ça. Vous allez voir comment je suis con. Je tire pour que puis le gars me voit. Fait que là il se retourne d'abord. Je pense que c'est là que je l'ai. Ah, oh, il était temps. Je me fais tuer. Vous me direz si vous aimez ça, cette vis-là. C'est la vis qui va à travers du mur, là. Moi, je trouve qu'il va assez mal, merci. Bon, ici, vous avez sûrement vu que j'ai comme tiré à côté, mais ça, c'est à cause que, tu sais, je filme avec le mode studio. Encore une fois. Mais bon, là je me trouve avec le gun qui tire une balle par une balle que je me rappelle plus du nom. Je pense que c'était le fort, mais je suis pas sûr. J'ai des grosses machines de guerre. Des machines. Des machine guns. Et je me fais tuer. Là je me retrouve avec les snipers. Un petit quick scope qui passe. Ça fait toujours plaisir. Là je galère un peu avec le balista. Et je me fais tuer. Là il m'humilie. Ça j'étais vraiment pas content là. Parce que le sniper DSR c'est quand même assez dur. Vu que je suis pas un grand player de sniper, je suis plus fusil d'assaut ou mitraillette. Vous allez voir là, c'est vraiment drôle. Là, je suis vraiment chanceux. Les bazookas, ça va quand même assez bien. Toujours à tirer, ne jamais tirer à la même hauteur que le gars, et toujours tirer à ses pieds. Un petit conseil. Là j'ai rien compris. Un hit marker au bazou. J'étais comme ok. Comme vous voyez, je suis pas en tête. Ou ben je suis en tête, je sais pas. Oh non, c'est égalité. Je me suis fait humilier par mon ami. Mon ami faisait exprès pour m'humilier. Il voulait pas que je gagne parce que je jouais contre son autre ami. Puis on avait fait un petit pari. Puis mon ami avait parié sur son autre ami. Fait qu'il essayait de me coter pour être sûr que l'autre gagne. Mais vous allez voir que ça va pas marcher. Je vais quand même le dominer. Donc là je me retrouve avec la balette. J'ai vu qu'il y en avait un direct. C'était là, j'étais vraiment content. Là, hop. Là, vous allez voir, je vais me faire. Mais bon, là, la game est finie. Donc, moi, j'espère que ce visionnement vous aura plu. Allez, bye.